ce qui nous la grâce, Seigneur. Debout et accueillir le grand Saint-Esprit dans la vie du bishop César. Merci, pasteur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Frères et sœurs, bonjour à tous. Je crois que tu passes une très bonne journée. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Voilà donc ce que nous pouvons faire, nous pouvons apporter la parole de Dieu. Après ça donc, nous pouvons permettre bon Dieu agir. Est-ce que je connais qu'il nous capable n'importe quand rentrer dans la présence de Dieu? Amen. N'importe quand nous capable jouir de la présence de Dieu? Amen. Longtemps nous tu crois quand bon Dieu décide, s'il décide, pas connaître pas les vous décider. Non. Au capable de qui m'arrive dire, mon âme exalte le Seigneur, mon esprit se réjouit en Dieu. Cela veut dire que tu décides quand il y a envie de réjouir dans Dieu. Amen, amen. Ça nous bouguette ça donc et bien tout à l'heure, que le nom de Dieu soit béni, merci Seigneur. Justement donc concernant demain, malgré les pouban leaders, mais tout le monde pour profiter de la parole de Dieu. Amen, amen. Je connais du point de longue journée pour certains, à troisième temps dans nos rayons leaders, et puis rayons des jeunes gens un peu tout de suite après, mais il y vaut la peine. Vous voyez, je ne connais pas, je ne connais pas les autres la religion faire. À l'île Maurice, vous marchez, et là pendant 10 jours et demi, vous êtes arrivé dans l'endroit pèlerinal, vous êtes fait ça dans l'ignorance, mais vous êtes fait aller tout de même. La Bible dit, nous zèle. Il vient dépasser ceux qui ne connaissent pas bon Dieu. N'est-ce pas vrai, mes frères et sœurs? Alléluia, gloire à Dieu. Donc, eh bien, je suis content de lire avec vous ce soir. Colossiens chapitre 2, s'il vous plaît. Colossiens chapitre 2. Alléluia. Merci, Jésus. Colossiens chapitre 2, avant donc qu'il me lise le verset qu'il me pouvait citer dans un moment, laissez-nous répéter cette prière. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Dieu, pour ta présence, ou écoute ta parole, moi n'a pas pour les signes, et personne, qu'aucun de parole, étouffe ta parole, dans mon équerre. Bien au contraire. Moléquer, les honnêtes, les bons, les ouverts, pour recevoir tes paroles, pour comprendre tes paroles, pour persévérer, pour porter beaucoup de fruits. Tes paroles créent la foi dans Moléquer, tes paroles guérissent mon corps et mon âme. Tes paroles donnent-moi la force, les encourage-moi. Lui sanctifie-moi. Lui donne-moi la joie. Moi n'ai les cœurs pour comprendre. Lisez pour trop clair. Les oreilles pour tendre. Tophine, donne-moi l'intelligence. La sagesse. Discernement. Mon mal de la grâce. Dans grande abondance. Dans la bonne santé. Et sous ta grande protection. Nous pouvons faire progrès. Après progrès, nous pouvons mordre de gloire en gloire. Alléluia. Nous pouvons grandir. Nous pouvons multiplier. Nous pouvons devenir très nombreux, très puissants dans ce pays. Jésus-Christ est le Seigneur de tout mon avis. Jésus-Christ est le Seigneur de toutes les droiteries. Amen. Amen. Voilà donc, eh bien, avant-hier et hier matin, ou bien hier après-midi, et ce matin, nous finirons un verset qui dit à nous, bon Dieu, les demandons, les commandons, qui nous faisons croire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Tout ce que nous pouvons recevoir de Dieu, il n'est pas parce que notre bishop, ou bien surintendant, ou bien pasteur, ou bien nous fait venir de nouveau, tout ce qui est bon Dieu pour de nous, il est parce que Jésus-Christ est venu payer ça pour nous. Quand nous comprenons ça, donc, nous, la foi divine automatique. Ne pas vous dire, ah, mon pas assez bon, mon peine assez fort ici, mon peine assez fort là-bas. Je me rappelle qu'hier, je lis un verset avec Jot,
L'apôtre Pierre, le premier des apôtres, il y a 6 à qui qu'un fin guéri. C'est pas parce qu'il me plie pur, plie donc et bien à pieux, plie donc et bien saint qu'ils autres. C'est pas pour me propre la force, c'est parce qu'ils m'ont la foi dans le nom de Jésus-Christ. Dire avec moi la foi dans le nom de Jésus. L'écrivain de miracle. Voyez, il est aussi saint que cela. Merci Seigneur. Et nous faisons trouver donc que pour nous la foi lui ferme dans Jésus-Christ, nous avons besoin de connaître exactement qui Jésus-Christ était. Tous les jours, j'ai besoin de dire avec vous-même, Jésus-Christ c'est le créateur de toutes choses. Amen. Jésus-Christ c'est le Tout-Puissant. Jésus-Christ c'est notre tout-pouvoir. Amen, 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 alléluia. Et puis je disais, c'est que Jésus-Christ, il était pour eux. Je veux dire ça avec eux-mêmes. Jésus-Christ, mon grand frère. Dire avec moi, Jésus-Christ, c'est mon grand frère. Jésus-Christ, c'est mon Seigneur. Jésus-Christ, c'est mon berger. Jésus-Christ, c'est mon avocat. Jésus-Christ, c'est mon rédempteur. Jésus-Christ, garantit. L'alliance qui Dieu veut faire avec moi. Jésus-Christ est mon souverain. Sacrificateur. Nous nous sommes dit que là ce matin, nous recommandons avec tous nous les cœurs qui se tiennent dans le DVD là. Vous pouvez combien nous faire, nous pour faire un prix réduit. Ce n'est pas parce que nous pouvons mettre seul, ce n'est pas nous faire, c'est parce que nous avons envie que tout le monde soit capable de profiter de ça. Amen. Vous connaissez comme outil dans l'école Maurice Cerullo, en 1981, outil dans ce laboratoire. Parce qu'il y a une session, je ne sais pas trop comprendre. Pas parce que donc je ne peux pas comprendre, mais parce que je suis fatigué, alors mon corps. Donc on a un laboratoire là-bas. Laboratoire audio vidéo. Si on rate une session, ou réaller donc et bien ou réviser. Alors les temps mon père révise à notre là, donc dans le bon Dieu cause avec moi clairement. Publier mes paroles par un système qui nous est là. À cette époque-là, tu as VHS et puis tu as cassette. Aujourd'hui, donc, on a DVD, CD. Amen. À Bobassin, nous vendons quelques bonnes centaines de DVD, CD tous les mois. Amen, amen. Mon compte Benjamin, l'imposition des mains, pas net. L'onction d'huile, pas finie de zot. L'onction de l'eau, pas finie de zot. Visite, pas finie de zot. Quand vous continuez, écoute la parole de Dieu, finit de guérir et délivrer. Amen. La peine un an qui remplace la parole de Dieu. Il m'a beaucoup d'intérêt que l'on là ce soir. Et puis, je vous prends 5 minutes, donc, tout à l'heure, pour montrer aux autres comment nous sommes capables de permettre bon Dieu, réjouir-nous, grandir-nous la paix. C'est vrai, c'est pas vrai. Alléluia. Vous avez trouvé Colossiens chapitre 2. Alléluia, merci Seigneur. Lire avec moi le verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ. Dire avec moi, mon recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Dire avec moi, recevoir. Si on recevoir quelque chose, je veux dire, il est avec où, il est pour où. Dire avec moi, Jésus-Christ, il est avec moi. Il est pour moi. Il est au-dedans de moi. Maintenant, ce n'est pas tout maintenant. Il est qu'il dit là. Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui. Dire avec moi, mon cousin, marche en Jésus. Maintenant, ça c'est sûr. Si on est de nouveau, si on est un enfant de Dieu, ou déjà un Azizi. Mais si vous pouvez marcher en lui, ça c'est une autre affaire. Ça. Le mot « en » veut dire « par », « avec ». La Bible dit où on recevoir Jésus, c'est là où on marche avec lui. Où on marche par lui. Où on marche pour lui. Vous voyez, par cela force. Avec lui. Pas marche par toi-même, par ton propre désir, ton propre volonté. Marche avec Jésus, par Jésus. Amen. 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 Jésus connaît que tu as besoin d'aller. Amen. Il connaît comment tu as besoin d'un miracle. Amen. 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 Ça, c'est le secret, mon frère, mon sœur, de la vie miracle. L'apôtre Paul dit, la vie qui m'a pu amener maintenant, alléluia, gloire à Dieu, moi, m'amène en Jésus, Christ est ma vie. Jésus-Christ, les mots la vie. Maintenant, au cas si ça, au capable confesse lui, au capable donc eh bien chante lui, mais ce qu'il fait une vraie pour vous. Au besoin apprendre vivre avec Jésus. Amen. Amen. Amen.
ou tranca l'existe, ou bien nous tranca l'ila, le problème l'ila, nous envie vivre la vie chrétienne par nos propres forces. C'est ça, mais nous sommes capables. C'est ça, mais nous sommes capables. Un bon homme de Dieu qui m'a plus respecté, malgré tout, critique qu'il y a, c'est le pasteur Béni. Ou dire ce que vous voulez, ou pensez ce que vous voulez, c'est un homme de Dieu. Amen. Vous voulez me dire quelque chose? Vous dire quelque chose. Vous voyez, environ 15 ans de cela, le pasteur Marc Samoisi, au fait, moi, tu peux amener, donc, eh bien, elle est là, elle est trop tard. La prochaine fois, il est bien content, Man Rodriguez. Sur famille Rodriguez. Amen, amen. L'étudiant une série de cassettes vidéo lors de l'onction de Dieu. Par le frère Kenneth Copeland. Kenneth Copeland, c'est un grand homme de Dieu. Vous voyez, bon, moi, pas pour commencer, j'explique tout ce qu'il fait, etc. Vous voyez, il y a un jour, il a gratté dans ce lico pendant 3 jours. Il priait, il confessait, etc. Donc, eh bien, il n'est pas connu qui peut arriver. Il confessait, il priait, il boit même quelque chose. Dieu dit comme ça. Rappelle-toi ce que tu me dis contre mon serviteur béni. Une seule parole. Il dit, ah, ça béni, il n'est pas connu qui peut dire. Il téléphone le pasteur, il dit, pasteur, pardonne-moi. Il y a quelque chose qui me voit, tu viens dire à toi. Instantanément, il est guéri. Donc, je vais faire attention, pas cause du mal contre ben loin de Dieu. Amen. Très, très sérieux, ça. Donc, moi, pas tu vous dire ça, là. Je ne connais pas qui fait, moi, dire ça. Amen. Mais je connais, moi, dire, donc, et bien, parce qu'il m'a besoin de dire. Amen. Tout ce bien joli. Alléluia. Continue à poser, pasteur. Pasteur, la soif. Alléluia. Que Dieu nous dise gloire à Dieu. Viens avec moi, mon besoin, marche avec Jésus. Par Jésus. Au fait, moi, tu fais cause un pasteur bénin pour sa raison-là. Il y a un jour, donc, il était encore au sein d'un ministère. Et un grand homme de Dieu qui s'appelle David Duplessis. Pas Jesse Duplessis, David Duplessis. C'était un Sud-Africain. Dieu s'est lié pour faire beaucoup de monde recevoir le Saint-Esprit. Vous voyez? Alors, il y a une conférence, comme en Unara, mais bien sûr, beaucoup plus de monde. Vous voyez? Parce que dans le grand pays, il y a plus beaucoup de monde. Amen. C'est vrai, c'est pas vrai? Amen, amen. Il dit, Pasteur David, Frère David, comment est-ce que je suis capable de vivre? Comment est-ce que je suis capable d'amener la vie chrétienne? Comment est-ce que je suis capable tout le temps victorieux? Frère, là, pas prendre compte. Il est en train de préparer sur la chambre, il prend le colis dans le mirail. Il dit, gare à toi, tu essaies de vivre pour bon Dieu, pour ton propre foi. Tu as besoin de faire ce sport de Jésus-Christ. Voilà le secret. Nous ne pouvons pas faire un miracle par nous-mêmes, nous faisons par la foi dans le nom de Jésus. Nous ne pas exaucer parce qu'il n'est pas gagné d'exaucement. On fait 45 ans dans le ministère. Bon Dieu, obligé d'exaucement. Non, il n'a pas obligé. Amen. Même si tu fais un jour dans le Seigneur, tu peux exaucement à cause de Jésus. Même si tu fais 100 ans dans le Seigneur, tu peux toujours exaucement à cause de Jésus-Christ. Continue, cause des pasteurs. Alléluia. Dire avec moi, mon voisin, marche avec Jésus. En Jésus. Le mot en lui. En grec, c'est le mot en même, en. Mais il ne veut pas dire en, il veut dire en, qui veut dire par, ou bien avec la force. Le mot marcher veut dire conduire. Dire avec moi, mon voisin, conduire-moi. Réglez-moi la vie. Par Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, ça, c'est un niveau que bon Dieu attend qu'il nous fasse. Vous voyez, il est très, très, très important là. Nous pouvons lire un verset maintenant qui est capable de secouer. Il est bon, il secoue, mais ça fait où réfléchir. Qui bon Dieu attend de moi? Qui lui attend de Jésus, de vous? L'extraordinaire. Ok. Est-ce que bon Dieu a envie de vivre comme Moïse? Non. Est-ce qu'il a envie de vivre comme Abraham? Maintenant, je imite Abraham dans certaines quelque chose, les traces de la foi d'Abraham. Mais mon modèle parfait, c'est Jésus-Christ. Alors, lire avec moi dans 1 Jean chapitre 2, vous allez voir quelque chose. 1 Jean chapitre 2. Vous venez trouver 1 Jean chapitre 2. Je vais lire avec vous le verset 6. Regarde-moi ce verset-là. Préparez-vous pour un choc. Celui qui dit qu'il demeure en lui, en Jésus-Christ, doit marcher. Dire avec moi, doit marcher. Doit marcher. Encore un go. Doit marcher. Doit veut dire bien marcher. Amen.
aussi comme il a marché lui-même. Donc, regarde-moi, mes frères et mes sœurs, étonnant ça. C'est-à-dire, si vous dites maintenant, vous demeurez en Jésus-Christ, vous bisez marche comme il dit, tu marches. Est-ce qu'il dit que vous dites Jésus-Christ, tu marches donc? Non. Lui, tu marches par la foi. Amen. Lui, tu tout le temps fais plaisir à Dieu. Amen. Non, il n'est pas tu fais ligue un père. Amen. Aucune situation pas tu soclée. Je ne sais pas lire la Bible, je trouve Jésus-Christ dit, qui nous peut faire là. Lazare, il mort, guette sa boîte là. Non. Ça m'a une langue à la jamais lui servi ça. Je dérange lui au milieu du sommeil, au milieu de la tempête. Vous voyez, il calme la tempête et il reproche ban là. Qui fait ce bien, Père? Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. Il tendit qui érode Pérou de Puy. Il dit, sauvez-nous, allez avant les mailles. Non. Il y a déjà sa reine là. Tant que je n'ai pas fini le travail, je n'ai pas pour quitter cet endroit-là. Je n'ai pas tué personne. Est-ce que je te l'aime là, mes frères et mes sœurs? Le bon Dieu appelle-moi pour vivre, pour marcher comme Jésus-Christ qui marchait. Maintenant, je n'ai pas encore arrivé là. Et je peux faire progrès. Amen. Amen. Je comprends qu'il ne pas pour atteindre ce niveau-là dans l'espace un jour, un mois, 10 ans, 3 ans. Mais comment l'apôtre Paul dit? Alléluia, les paraît grand en arrière, les guettes par devant, il y a envie comme Jésus-Christ autant qu'il est bien connu. Vous voyez, est-ce que je te l'aime là, mes frères et mes sœurs? Gloire à Dieu, c'est ça l'objectif. De plus en plus, nous vivons pareil comme Jésus-Christ. Maintenant, il y a quelque chose maintenant qui me cause avec Zot. Et ce qui m'a dit à Zot là, donc, si ça n'est pas réglé dans Zot la vie, même si Pierre ressuscité, si Paul ressuscité, si n'importe qui s'en a ressuscité et pris Zot la parole de Dieu, il n'est pas poussé à Zot non. Vous voyez, il y a des affaires que Zot besoin régler, vous voyez, dans Zot la vie. Ouais. Sans quoi, Zot vous m'a dit, Zot est dans l'auto, Zot dans l'auto là, je t'envie à le donner pour quel endroit, mais je ne peux pas mettre à marche. Le delà est correct. Il y en a autant les sens qui visent, ou il y en a au PMI. Vous voyez, tout quelque chose correct. Mais que ça n'a connu si ou pas mettre le delà à marche, ou pourrait cela même. Les autres pas les croire de matelot. Est-ce qu'on déjà trouvé le tout qui va à marche bouger où? Non. Ou bien il y a un peu pareil, comme on a envie qu'il y ait de manger. Hein? Nous avons beaucoup de salade sur donc là, nous avons beaucoup de salade. On va connaître rougaille, la soupe, mais pas connaître n'importe quoi donc, eh bien, on a tout bon ingrédient. On a le bazar, on a le supermarché, on lave tout, on coupe tout comme un bisin, vous voyez. On a au délu, on a tout, on prépare tout. Mais si vous prenez un souffle salaire, vous voyez, la flamme, ou bien le four, vous ne pouvez pas cuire. Je peux comprendre, mes frères et mes soeurs, vous voyez, bon, qui m'a peur au Dieu là? Nous avons la parole de Dieu. Amen. Nous avons du monde pour enseigner nous. Nous avons la Bible. Amen. Mais si ou pas croire dans ce qui vous lit, ou pas pour loin, ou pour être en place, ou la foi dans la parole de Dieu pour déterminer tout quelque chose. Vous voyez, je ne suis pas impressionné, moi, quand je trouve du monde. Six grands versets. Je me rappelle donc, tiens, un kiken, donc, eh bien, nous faire une quiz pour mes bonnes enfants. Une quiz. Frère, toute question qu'il nous posait, il répondait. Il gagne 100%. Tout guetli, donc, tout intimidé. Mais dans l'époque Covid-19, là, le bouc de cacassé, il n'est pas allé sortir la carte du tout. Dites-le, il n'est pas allé sortir. Téléphone parti, téléphone par la bacave. Il est comme ça dans ce coco la tête. Ça part de ce liquide. Et il n'est pas même pas. Il y a une bonne mémoire. Mais la Bible, il vient dépasser ton mémoire. Il vient pénétrer dans ton liquide. À cause de ça, moi, je ne suis pas impressionné, même quand nous bisons faire lire. Mais ça, ce n'est pas le but. Et bien, les enfants répètent une somme, vous voyez. Et parfois, de dire ben mot de sa somme-là, je n'en prends ni pas au cœur. Je n'ai pas même connu que ce ben mot-là veut dire. Amen. Et là, nous tapons immédiatement. Tant. Qui tord de dire? Vous voyez. S'il n'est pas comprend, si ça fait rentrer dans ce liquaire, les yeux de ce mémoire, les commandes, il peut apprendre une table mathématique. Des fois, des 4, moi, je m'oublie mon table, ça, là. Des fois, 3, 6, etc. ABCD, ABCK. La Bible, nous ne comprenons pas avec nous la tête, nous comprenons avec nous les cœurs. Ce qui est intéressant avec la Bible, un du monde qui examine à l'école, les cas comprennent la Bible. Pierre, premier apôtre, examine à l'école.
Il comprend la Bible, il interprète la Bible, il prêche la Bible et il fait un miracle. Vous voyez, à cause de la Bible cause de l'intelligence spirituelle. Dire avec moi l'intelligence spirituelle. Ça, c'est là où il y a l'intelligence intellectuelle, là, où comprend computer, où comprend mathématiques, où comprend géographie, où passe l'examen, où bien ça. Vous voyez? Mais pour comprendre un mystère du royaume, pour comprendre comment Dieu aime celle du pain, il est capable de faire beaucoup du monde manger. Comment est-ce qu'il est capable de sans de l'eau en vain? Comment est-ce qu'il donc aime celle l'imposition des mains, capable de détruire un cancer? Vous voyez? Ou l'intelligence normale, pas pour comprendre ça. Vous voyez? Ou l'intelligence normale pour dire au cancer, du danger, du détruire partout. Sida, l'incurable. Covid-19, il fait du monde d'un père. Et où l'intelligence spirituelle fait vous comprendre, alléluia, que la vie de Dieu dans où les gardons en parfaite santé. Ou l'intelligence normale pour faire vous comprendre, où on a 10 000 roupies, ou 2 000 roupies là-dedans la gym, ou pour riche moins, vous voyez, mais où l'intelligence spirituelle pour faire vous comprendre, quand vous pouvez donner, quand vous pouvez donner, vous pouvez ouvrir la porte pour gagner plus beaucoup. Amen. Dire avec moi l'intelligence spirituelle. Encore un coup. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, la place qui la parole de Dieu, il y en a dans la vie, il est occupé dans la vie, il vous détermine où la foi et toute l'existence chrétienne. Vous voyez, un jour Jésus-Christ est dans la case d'un kiken, Lazare, qui est mort et il est ressuscité. Vous connaissez à l'époque-là quand Jésus-Christ rentre dans la case, grand fait ça. C'est un lunaire ça. Tout le monde qui a envie de Jésus-Christ vient quoi d'autre. Alors quand il est venu, il peut faire tout pour faire lui plaisir. Amen. Meilleure façon de faire lui plaisir que tout manger qui est bien. Amen. C'est vrai, c'est pas vrai. Amen. Non, mon beau vilain, ça point là. Mon beau vilain, ça point là. Amen. Oui, t'es libre, c'est vrai. Jésus-Christ passe à côté de pharisien, maintenant, pas tu es à côté de Lévi, Lévi, pas tu fais manger pour lui. C'est ça que je peux redire là. On peut comprendre ton pensée, pasteur. Vous voyez. Mais pourtant, Jésus-Christ, en attendant qu'il mange et cuit, il peut prêcher la parole de Dieu. Jésus-Christ, c'est des gens qui ont mis les dents. S'il si est ouvert sur la bouche, c'est pour vendre bon quelque chose. Mais dans la carte, il y en a des serres. Un qui appelle Marie, un qui appelle mort. Mort peut occuper, cuit, vidé. Amen. Salade au rite. Cochon rouge. Amen. Haricot. Je t'aime là, mes frères et mes sœurs. Son manioc, là. Alléluia. Je peux dire ça parce que je me suis touché la façon dont je peux prendre nos soins. Fais-moi confiance, hein. Je ne peux pas traiter ça à la légère. Non. Je suis toujours venu là, 6h du matin, prie pour ça, tout ça. Je me dis, bon Dieu, merci. Amen. Gloire à Dieu. Fais-moi envie, tant que je retourne Maurice. Amen. Maintenant, Maurice, honore-nous, mais pas ça quand tu es là. Qui te dit Valérie? Ah oui, mais pas on t'a besoin de dire Amen. Moi, je réfléchis même moi. Amen. Oh, Dieu, merci Jésus. Amen. Donc, Jésus-Christ, c'est lui qui peut causer. Marie, un parmi sa dessert là, lui peut assiser, lui peut écouter Jésus-Christ causer. Mort se sert. Il venait comme ça dans. Maître, est-ce que ça pas dit à toi un ornier qui me sert? Zéro distraction, s'il vous plaît. Mosea, Marie, les pédés soins qui mangent tout seul. Alors, donc, eh bien, j'ai pu dire aller comme ça, mort, t'as un petit maman, mon termine mon sermon là. Aussitôt, mon termine mon sermon, le bouc pas venir de toi. Non. Marie, pas faire pareil. Tu n'as pas connu mon vin, mon gain, tu n'as pas besoin de manger pour moi, toi? Non. Il y a Marie, viens choisir la bonne part. Mort, tu peux agiter pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Amen. Vous connaissez que ça vient d'un cabot? Vous voyez que ça vient d'un cabot? Mort, tu crois, Jésus-Christ pour reprendre Marie. Les guettés, il approuve Marie et il désapprouve mort lui-même. Il y a avec moi une seule chose nécessaire. Si vous êtes malade, ou pas besoin l'opinion, la vie, ABIS, n'importe qui s'en a. Si on connaît ce que la Bible dit, l'infini pro ou maladie, ça même qui nécessite. N'a guetté qui est internet dire. Tout pour malade net, là, ça coule là. Amen. Non, c'est qui bon Dieu dire. Vous connaissez combien de fois mon défi, ben docteur, américain, monsieur, mauricien,
Je dis moi, prends au plus amant, monsieur, vite, 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 où les reins ne plus servir, ne plus plus choses, ne plus travail, où tension ne dépasse beaucoup de moments qu'on vivant, etc., etc. Est-ce que je te l'aime, mes frères et sœurs? Vous voyez, maintenant ça, il manquait vos papiers, ça, gloire à Dieu. On dit, non, moi, un prêtre, moi, un enfant de Dieu, moi, un pasteur, moi, enseigne la parole de Dieu. Vous connaissez qui lui osait dire, moi, hein, ben, un prêtre aussi, je te mords. Moi, tu as envie d'y aller tout pour mort avant moi, mais ça, on fait bien ça. Vous voyez, mon convivant, je vous dis. Amen, amen. Quatre docteurs américains disent moi la même chose. Bishop, au visa, admettre l'hôpital. Là-dedans, trois chrétiens, là-dedans, trois docteurs chrétiens. Ils disent non, moi, je suis venu pour assister convention, etc. Ils disent non, 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 nous comprenons où, mais où, sous nos responsabilités, moi, je refais ce test. Je te refais mon test, mes frères et mes soeurs. Et moi, nous ne connaissons pas comment. Ça, jamais fin arrivé, il ne retourne presque normal. Hein. Pour moi, il n'est pas presque normal, il ne retourne normal. Même, hein. Parce qu'il m'a bondi de moi comme ça. Les mêmes docteurs. Il est loin de la maladie de moi. C'est vrai, c'est pas vrai. Ça même qui est nécessaire pour moi. Ça même, une seule chose est nécessaire. Il ne va pas dire guetter ce que la Bible dit et puis guetter ce qui est internet, décrire ce qui est internet. Je ne suis pas capable de vérifier mon la santé loin de l'appareil, frère. Qu'il est l'appareil diabète, l'appareil tension, l'appareil cardiaque. Hein? Je teste donc mon la santé loin de ce que la Bible dit. Amen, amen, amen. Mon médite sa parole là jour et nuit. La Bible dit moi comme ça, donc que le nom de Dieu soit béni. L'esprit de vie donne la vie dans mon corps. Le mot vie veut dire rajeunissement. Amen, amen, amen. Vous voyez, soit nous croire, soit nous pas croire. Soit nous croire, soit nous pas croire. Amen, amen. Maintenant, moi, les autres comprennent, mon fils est attaqué par toutes sortes de maladies que je suis capable d'imaginer. Pas capable de marcher, pas capable d'avaler, pas capable de marcher. Vous voyez donc, eh bien, la tête peut tourner, peut trouver somme, tout ça même d'affaires là. Je veux dire, Seigneur, tu sais le besoin de la gloire là-dedans. Amen, 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 me maintenir, vous voyez. Difficile pour dormir, mais mon marcher me confesse la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Une seule chose est nécessaire. Amen. Mon déjà vivre dans le dette, mes frères et sœurs, prendre l'argent prêté, la banque, vous dit haïr ça. Mais là, mon arrive bien longtemps, que Dieu dit non, 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 toi, tu es supposé prêter les autres. Amen. Je confesse cette parole, grand matin, tantôt. Vous voyez, 8 jours par semaine, je confesse cette parole. C'est qu'on pense que je pourrais dire. 30 jours, dans le mois février aussi, je confesse cette parole. Qu'on pense que je pourrais dire. Un jour, je ne pas droit personne. Cette parole livrée. Quand vous réalisez que bon Dieu prend sa parole là, il crée tout ce que vous trouvez. Amen. Vous comprenez ce que cela veut dire, mes frères et mes soeurs? Merveille, merveille, merveille. Bon Dieu fait apport sa parole. Amen. Qui place sa parole là et n'a dans les guerres. C'est bien important ça, vous voyez. Il n'est pas juste pour nous sentir, juste pour nous créer nos frigidaires, ou bien nous le dos, vous voyez, non, pour nous croire là-dedans. Continue, causez pasteur. Alléluia. Merci Seigneur. L'inarrivé qui est là donc, nous n'écoutons pas quelque chose qui nous pas besoin d'écouter. Nous ne croyons pas quelque chose qui nous pas besoin de croire. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Un bon quelque chose qui vont dire faire dans la vie, même avant mon converti, pasteur Dara, moi tu peux lire la Bible, moi. Je prends la Bible, un mot ban grand-père. Il est gros comme ça, comment tu as un dictionnaire la rouge longtemps là. Pas tu m'as dit la Bible longtemps. Mon métier d'un tente moi dans le bois. Nous t'annons, il y a sa pâtisserie. Écoute encore mon camarade, amen, 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 amen. Parce que ça, il tient dans le ventisme. Tu connais qui me frappe moi dans la vie? Il tient une sorcière. Tu dis lui bonjour, il parle de répondre. Et quand tu pas dit lui bonjour, le pour insulter toi, tu n'as pas dit bonjour aujourd'hui, quand tu dis lui bonjour, il n'est pas répondu. Quand tu n'as pas dit bonjour, il insulte toi. Drôle, drôle, bonhomme, mais tu appelles le bonhomme Mandouk. Amen. Il est long, bien long. En fait, je ne vois tout personne aussi long qu'il est. Mais sur une femme, tu écoutes ça, tu secours comme ça. Comme ça, dès l'amour, c'est aussi. Si ça à l'époque-là, tu n'as YouTube, ça tu vous casses le corps. Amen, amen, amen. Les sorciers. Mauvais, il est mauvais, mauvais, mauvais. Un jour, il gagne une visite, un adventiste. Vous voyez, cela vit changé. Le tamis sont quantiques. Il dit ça, c'est sûr, ça. Ils sont quantiques. Lui, il vous dit à bonjour maintenant.
Alléluia. Il y a le seul église. Il y a besoin de quelque chose de vrai. Hein, dans cette chose-là. En fait, si Pentecôtiste pas existait, moi, tu peux être un bon adventiste. Parce que c'est un adventiste qui n'apporte pas la guérison, frère. Quand tu as 10 ans, moi, tu gagnes l'hydrobusie. Moi, vous raconte de tenir le zoo, vous voyez. Un adventiste, il n'impose pas les mains. Hein? Docteur, il renvoie à la case pour mort. Mon linge, la mort, il finit pareil. C'est à l'époque-là, un adventiste, il croit dans la guérison. Parce qu'il fondatrice de l'église adventiste, c'était un pentecôtiste. Astère-là donc, eh bien, le père commence à rentrer là-dedans maintenant. Délivrance, guérison, le père rentre là-dedans encore. Excusez-moi, mes frères, mes soeurs. Là, on va prendre la Bible. Bolomandoux, on met ça dans une tente. Vous voyez? Maintenant, il n'y a pas de cadien en maintenant. Bolomandoux, une sangée. Mais je ne pas tiré. Ban Adventiste, longtemps tu as plutôt Ban Bado, parce que c'était M. Bado qui t'apporte la parole de Dieu à l'île Maurice, Ban Adventiste. Hein? M. Bado. Il paraît comment, quand le pasteur Cizeron t'y vient Maurice, tout ce qu'a l'église, mission sur l'église, tu as plutôt Ban Cizeron. Je suis très content de ce qu'il dit, on ne peut pas appeler Ban LVD, Ban Dimbaïste, tu es Ban Dimba. Bien content. Amen, amen. Ben LVD ça, ben LVD ça, ben LVD. Non, moi je me prends ça la Bible. Laurent Dieu, merci Seigneur. Je lis. Moi, je vois qui fait, moi, tu lis beaucoup l'Ancien Testament. L'histoire de Moïse. Comment bon Dieu fait un miracle. Un jour, donc, eh bien, mon tableau, Jean chapitre 14, que tu as l'idée, me donne mon la paix. Je laisse mon la paix avec Dieu. On fait la prière avec bon Dieu, sincère. Seigneur, si ça va payer là, vrai, te donne-moi ça va payer là. C'est comme on vient un bandit. Vraiment. Tu en as détruit du monde, la liste qu'il a donc, où tu peux enterrer les autres vivants, frère. Tu as fait trop beaucoup de dominer avec mon maman. Amen. Où tu peux enterrer les autres vivants. Mais Dieu est bon. Amen. Il envoie donc ce missionnaire à l'île Maurice. Et depuis ça, donc, même avant ça, la parole de Dieu pour moi, il vient me manger, me boire. Je lis un minimum 10, 20, 30 chapitres par jour à l'époque. À cela, j'ai étudié. Vous voyez, j'ai étudié beaucoup. Je veux dire, je apprends des versets, je prends beaucoup les temps là. Mais je lis. C'est comme ça même qu'il y a une révélation qui m'a typé cause avec eux hier ou bien avant-hier. Écoute ceci maintenant. Je tous te connais. C'est que la Bible dit non. Jésus-Christ ressuscité, de dire avec ce bon disciple, elle porte le monde et prêche la bonne nouvelle. Dire avec moi la bonne nouvelle. Il y a tout le temps une bonne nouvelle pour toi dans n'importe quelle situation que tu étais. Si tu es malade, il y a une bonne nouvelle, Dieu guérit toi. N'importe quelle situation, un vrai quelqu'un qui prêche l'évangile, il n'est pas pour condamner toi, il prononce une bonne nouvelle. Même ton plus bas qui est capable d'exister, il vous donne une bonne nouvelle. Dieu les relève toi. Dieu les fortifie toi. Amen. Dieu, un vrai messager de Dieu, n'est jamais un messager de mauvaise nouvelle. Il est un messager de bonne nouvelle. Il y a maintenant, dès qu'il y a celui qui croit, et qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne pas croire, il peut être condamné. Dire avec moi, celui qui croit, celui qui croit, il est sauvé. Il est sauvé. Celui qui ne pas croire, celui qui est condamné. Maintenant, qui lui peut dire croire là? Croire dans la bonne nouvelle. Ne nous fin croire. Voilà. Non, 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 écoute ça, écoute ça. Ne nous fin croire. Moi, nouveau, je crois dans ceci, je gagne la vie éternelle. Oui, ça c'est le commencement, ça. Mais ça verset là, pour tout le long de la vie, livré. Que dans maladie, si tu crois, tu es guéri. Amen. Si tu ne pas crois, tu peux condamner pour vivre dans sa maladie là. Que dans dette financière, si tu crois, tu sortis là-dedans. Si tu ne pas crois, tu es condamné pour vivre dans sa dette là. Amen. Une vie saine passion, puis toi, puis boulonne toi. Si tu crois, tu sortis là, tu es sauvé, sauvé, délivré. Si tu ne pas crois, tu es condamné pour vivre là-dedans. Nous croyons il y a un peu pareil donc et eh bien quand Jésus-Christ dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués chargés je vous donnerai le repos. Nous croyons Jésus-Christ peut causer ça avec ben nouveau là. Ah, yo, mais là, quand tu es chrétien papa je te parlais la langue mais je te fatigué je vis sur un fardeau. Non il est pour tout ben chrétien là, vous voyez parce qu'il dit recevez mes instructions. C'est vrai, c'est pas vrai. Et vous aurez du repos pour vos âmes. Tant
mon laisse-moi être instruire par la parole de Dieu, mon vivre par le repos. Le moment, mon laisse-moi être troublé, et l'une des arrive-moi. Mon laisse-moi être découragé, l'une des arrive-moi. Ou laisse-moi être attristé, vous voyez, l'une des arrive-moi. Mon papa suit les instructions de la parole de Dieu. Mon père obéir à une mauvaise nouvelle. Si en tout temps, on écoute de la bonne nouvelle, on écoute la bonne nouvelle, on peut tout le temps dans la paix, tout le temps dans le repos, tout le temps dans le bonheur. Amen, 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 amen. La joie de Dieu, il passe. Donc, eh bien, la fin du mois, quand tout va bien, quand Dieu peut sourire avec moi, il est supposé manifester en tout temps. Il y a autant pour la consolation, il y a autant pour la joie, pour la paix, pour le bonheur. Continue à côté passé. Alléluia. Dire avec moi, quand me croire, me être sauvé. Si me pas croire, me pour être condamné. On peut dire, donc nous croyons, nous trouvons nouveau. Si tu ne pas croire, tu peux être condamné. L'église, tu as pu vivre une condamnation. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Maintenant, regarde ceci. La grande, 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 encore la grande importante de la parole de Dieu, Jésus-Christ. Toute question qui maintenant tu poses, tu peux tout le temps dire qui je t'ai lire. Amen. Hein? Que lis-tu dans la parole de Dieu? Que dit Moïse? Ça veut dire toute réponse qui est en vous de nous, les trouve dans la parole de Dieu. Lui-même, Jésus-Christ, quand le diable vient tenter lui, vous voyez. Oui, vous connaissez, mais nous quatre, ça. Oh, t'as pas là où ça. Qui s'en a une à la foi pour faire la pluie, arrête de tomber là. Non, 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 non. Nous glissons la pluie de sa pluie là. Je fais tellement bien là. Je sais de tellement là. Ok, gloire à Dieu. Le diable il tente. Si tu es vraiment le fils de Dieu, puisque tu es le fils de Dieu, sans ça, Rosla, tu es sa vigne du pain. Il va dire, mais pour prouve-toi qui m'ont né de Dieu le Père, conçu par le Saint-Esprit. Non, non, non. Il est Jésus-Christ lui-même, c'est lui comme Zor, comme le diable, la parole de Dieu. Pour montrer où, vous voyez qu'il a donc il n'est pas différent avec vous, ou même on vous faire pareil, parce que qui nous lit là? On vient vivre comment les litiges? Vivre. Dans n'importe quelle situation où était, où réponse, c'est la parole de Dieu. Vous sentiez une douleur? Aïe, vous croyez donc que bien, pas qu'on est donc pour tout ça, l'autre télévision, quand les eaux font mal, cela vient vous dire, vous dire Orlène. Orlène appelle ça? On va connaître donc depuis la salle de mort, vous voyez. Aïe, donc quand vous les cœurs battent, poutoum, 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 ou bien, non, 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 ou répondre avec la parole de Dieu. L'écho doit appartenir à Dieu le Père. Alléluia. Cyril, Jésus-Christ, il payait pour tout au péché et il prend soin de toute maladie. Dis avec moi la parole de Dieu. Ou répondre par la parole de Dieu. Maintenant, la question du l'âme au fond nous sert. Comment on peut répondre par la parole de Dieu si n'est pas comme la parole de Dieu? Si on passe plus beaucoup de temps devant ça l'appareil carré là, qui est aux anglais, français, espagnol. Vous connaissez mon bédiaou là? Hein? Ou non, vous connaissez mon bédiaou là? Vous voyez? Amen. Hein? Et vous avez un film qui raconte tout comme un coquin, comme un commet l'immoralité, comme un cause menti, comme un pouvoir réciproque là-bas, pas rempli-nous la tête avec sa bande d'affaires là. Amen, amen, amen. Remplis-nous les cœurs avec la parole de Dieu. Amen. Parce qu'il cas dans une situation difficile, tout ce qu'on dit dans la télévision, jamais, jamais pour capable d'aider. Et la parole de Dieu pour vous. Hein? Est-ce que je clame là, mes frères et sœurs? Est-ce que mon père Diaou va à la télévision, vous êtes par la tête? Non. Quand vous avez l'occasion, si vous avez un film, un document historique, pas de problème. Là aussi, quand vous avez le temps, vous voyez. L'une des arrivées pendant 6 mois, 180 jours, radio, télévision, la gazette va exister pour moi. Vous voyez, petit bizarre. Et à chaque fois que vous faites une convention à l'île Maurice, vous voyez, amen, pendant une semaine et demie, télévision, il n'est pas existé là, il n'est pas existé. Vous voyez, qui faire? Vous avez entendu bon Dieu que vous avez avec moi. Et alléluia, il y a une joie extraordinaire. Amen, amen. Vous êtes là, mes frères et sœurs? Vous n'avez pas besoin de gros micro, petit micro, micro, mec, micro, port, ici, petit comique avec comico, comico. Comico, gros micro, petit micro, tu fais vraiment rien. Non, non, non. Le Saint-Esprit fait vraiment rien. Vous êtes là, mes frères et sœurs? Amen, amen, amen. Tout le monde dit gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. On m'entraîne quelque chose maintenant donc. Un jour, il y a un groupe du monde qui s'appelle Ban Sadducé. Hein? C'était devant du monde religieux. C'est-à-dire, Seigneur Jésus-Christ, quand du monde mort, cela vie arrête la même. Il n'est pas capable de ressusciter. Il n'est pas capable. Mais pour rendre plus trop beaucoup de détails, je m'explique que c'est un quelque chose. Les esprits se répondent de histoires en phrase. Je ne connais pas la parole de Dieu. Et je ne connais pas la puissance de Dieu. Ce qui veut dire quand je connais la parole de Dieu, je connais aussi la puissance de Dieu. Ça, ce qui m'a voulu dire là, donc c'est que je vous dire là. Ça donc, eh bien, l'impli impressionnement. Alléluia, merci Seigneur. Si je lis dans la Bible, Luc chapitre 16, pour ne pas vous rendre dans le détail, il y avait un homme riche, vous voyez, qui menait brillante vie, joyeuse, il fait fête tous les jours. Il y avait un homme. Il va dire que c'est une parabole, ça. Hein? Il y avait, il existait ça, Dimouna. Il dit Dimouna, donc, eh bien, il y avait la vie joyeuse tous les jours. Bon, tu n'as pas compte qu'il y a la vie joyeuse. Et ça, quelqu'un a dit ignore son camarade. Dieu pas tu fais un portier sur la vie. Tu as aussi un pauvre que tu appelles Lazare. Ça ne veut pas dire bon Dieu envie nous pauvres. Mais il veut dire tout simplement un démon qui est capable pauvre. Mais il met son confiance dans bon Dieu. Parce que le mot Lazare veut dire celui qui cherche le secours en Dieu. Tous les deux morts, tous les deux. Lazare mort, gloire à Dieu. Un ange amène-lui dans le paradis. L'homme riche lui mort et il fut enterré. Dites bien maintenant, malgré Finantelli, les continue trouver, les continue causer ça pour là. Ils trouvent Lazare bien loin. Une grande séparation, un abîme de Dieu infranchissable. Il dit à Lazare, il dit à Abraham, dit à Lazare, prends ce bout les doigts, tout salaud, la langue, mon pétrole, gagne chaud. Abraham dit, il n'est pas capable. Et puis je te connais des conversations là, comment il était là. Dieren qui ken, parmi Benjamin Moore. À l'annonce aux bons frères qui sont encore vivants sur la terre. Dieu qui je visais croire dans mon Dieu. Afin qu'ils ne parviennent là, quand moi j'ai été. Tu connais qui Abraham dit hein? Même si quelqu'un, dérangé dans les morts, vient annoncer aux bons frères ça, il n'est pas pour moi, je t'ai dans Moïse, je t'ai dans les prophètes qui je visais écouter. Tu connais qui le Père de Dieu là? Si la parole de Dieu pas tout sur les cœurs, même si Pierre, Paul, Zach, André, Simon ressuscité, ça pas pour faire aujourd'hui ça. Ou vous allez sous convaincu par la parole de Dieu. Amen. Maintenant, mon business de où ça, parce que aujourd'hui, il y a toutes sortes de qualités machukarba, vous voyez, le YouTube et le ban média supposé chrétien. Quand tu t'es déclaré prophète, déclaré port, j'ai déclaré port là-bas. Beaucoup déclarent donc, eh bien, ils n'allent dans les chaînes, ils ne retournent. Moi, pas écoute ça là-bas, là, moi, excuse-moi, mais il y en a certains d'autres réels. Vous voyez, de une vraie même visite le ciel. Parce que ce qu'ils ont dit, ou capable de comprendre ça avec la parole de Dieu. Et maintenant, une question tout ça du monde là. Tu visites le ciel, ton tout Jésus. Est-ce que tu as la foi grandie? Il dit non, ça peut faire moi la foi grandie. Parce que la foi vient de la parole de Dieu et de ce qu'on entend de la parole de Dieu. La foi n'est pas venue comme on fait une visite dans le ciel. La foi est venue comme on écoute la parole de Dieu. C'est bien important que vous compreniez ça. Amen, amen, amen. Que du monde dit gloire à Dieu. Continue à causer pasteur. Alléluia, merci Seigneur, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et qui s'en a parmi eux? Tu es content et tout le temps rempli du Saint-Esprit. Qui s'en a ou tu es content qu'un bon Dieu fait miracle pour où et à travers de où? Où le trouve le secret? Eh bien, mon présent au moins donc 18 fois. Ou tu es content à répéter ça avec où donc cet après-midi? Galates chapitre 3. Nous pouvons lire ça donc. Gloire à Dieu. Galates chapitre 3. Merci Jésus. Le verset premier, aux Galates dépourvus de sens, de Tim Pierre dit. L'intelligence qui vous a fasciné ou bien qui vous a ensorcelé, hypnotisé,
vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu le Saint-Esprit ou par la prédication de la foi? Le verset 5. Celui qui vous accorde l'Esprit, dire avec moi, celui qui accorde moi le Saint-Esprit. Et qui opère des miracles parmi vous, dire avec moi qui opère miracles parmi nous. Il pose une question maintenant, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Maintenant, Dieu merci, aujourd'hui, nous n'avons tous autre qualité version gratis. Tu connais longtemps, frère, mon vision c'était donc, eh bien, God Mokas, 4500, 6000 roupies. C'était la Bible qui a beaucoup de volume là-dedans. Je n'ai pas regretté mon faire lire, mais tu faisais un faire lire à l'époque. Comment un dictionnaire, on investit beaucoup parce que mon envie connaît. Vous voyez, pour finir dire au Saint-Esprit, mon envie vient être un meilleur étudiant. Pour finir dire le meilleur, on me dit le meilleur. Moi, je comprends tout ce que mon fils comprend. Amen, je ne parle pas les rap. Donc, si je lis dans d'autres versions, les dire comme ça, celui qui continuellement remplit autres du Saint-Esprit et celui qui continuellement fait miracle pour autres et à travers les autres. Formidable. Comment est-ce qu'il y fait aller? Parce que je t'observe la loi, je fais circoncision, je t'observe sabbat, je te fais pèlerinage, je t'observe la pleine lune, certains mangent, les autres mangent, certains ne pas manger, ils disent non, non, non. C'est parce que tu écoutes la parole de Dieu et je te crois là-dedans. Vous trouvez au miracle quand vous trouvez mon frère Moshe, ou écoutez ou croire, ou écoutez ou croire, ou écoutez ou croire. Et on arrive à comprendre quelque chose parce qu'il y a de la rame. Vous voyez, tant que vous écoutez, hein, plus vous croire encore. Amen. Comment est-ce que vous écoutez? Comment dire ça avec moi-même? Si vous dites toi quelque chose, tu peux croire. Mais quand toi tu dis toi-même ça, tu ne peux plus croire. Parce que Daram qui écoute Daram. Oumesh qui écoute Oumesh. Clarel qui écoute Clarel. Cyril qui écoute Cyril. Ah, c'est un qui appelle méditer ça. Méditer veut dire ou dire avec vous-même. Ou dire avec vous-même. Ou dire avec vous-même. À un moment donné, ce qui tu parais impossible pour vous, devient possible. Ce qui tu parais difficile, devient facile. Ce qui tu peux faire ou gain père, lui il peut faire ou maintenant. Tracala, il disparaît, il laisse place au repos et à la paix. Amen. Dire avec moi, mon croire. Mon écouter. Et mon croire. Amen, amen. Au fait, donc, eh bien, mon pour vraiment terminer là, il y a, c'est parce que vous continuellement écoutez la parole de Dieu et vous continuellement croire. Bon Dieu, continuellement donne-nous le Saint-Esprit et de continuellement faire miracle pour vous et à travers vous. Dire avec moi, continuellement. Maintenant, avant ça verset là, tu viens une révélation pour moi. L'étimo l'habitude ça. Quand on vient un miracle finance, on prend tout verset qui me connaît, le miracle finance, provision, on lit, on repasse, etc. Dans mon équerre et mon autre miracle. Là, il est facile, frère. Facile, 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 que le nom de Dieu soit béni. Amen. Amen. Alléluia. Donc, où faire le nécessaire, mon frère, mon soeur? C'est quelque chose que nous ne sommes pas capables de faire de nos places. Ça, on en entend dans l'église catholique, ça. Prête pour parler de nous, prête pour de nous aussi, prête pour baptiser au Tibaba, prête qui pouvait pas connaître qui pouvait faire encore. Non. La vraie vie chrétienne, où marche en Christ, où médite la parole de Dieu, où approche de Dieu, où faire ce qu'il nous vient faire. Amen, amen, amen. Laisse-nous guetter maintenant qui, tonton Job Diel, lors la parole de Dieu. Vous êtes content qu'on ait qui Job Diel? C'est la raison, à mon avis, qui fait les fenêtres restaurées. Lire avec moi donc le livre de Job, alléluia, le chapitre, merci Seigneur, 23. Vous pouvez trouver Job chapitre 23, Laurentien. Eh bien, il trouve tout de suite après Job chapitre 22, papa. Merci Seigneur. Chapitre 23, merci Seigneur. Laurentien. Pour lire avec vous donc eh bien, le verset 12 qui dit ceci. Le verset 12. Vous pouvez trouver le verset 12. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Donc, arrivez-moi un petit coup. Maintenant, quand on lit comme ça, on dit, mais qui vous peut dire, pasteur? Il paraît donc, eh bien, vous ne pouvez pas trop comprendre qu'il veut dire. Tu peux comprendre là. Alléluia. Vous pouvez lire en anglais pour vous. Tu ne peux pas lire, je t'écoute moi. Il dit, I have esteemed the words of his mouth more than my necessary food.
Il y a parole bon Dieu. Mon nom est plus valeur. Qui mangeait nécessaire, qui m'ont besoin de manger tous les jours. Alors, checker, vous allez voir. Il y a pour moi, parole bon Dieu, le plus important, qui dourit carré, dirimaï, tout outre, de l'aliment, ourite, poisson cordonnier, peau rouge, etc., etc. Si je ne me pas trompé, donc, il y a un verset. Pardon? Dorbi, vous avez mon bureau de Dorbi même là. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Non, ce n'est pas Dorbi qui dit ça. C'est Martin qui dit ça encore. Non, c'est la Bible Martin. Ah, qu'importe, mais mon de nous lire, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Oui, j'ai serré les paroles de sa bouche plus que ma provision ordinaire. Veuillez donc, vos bonnes provisions, etc. Vos bonnes manger boire. Il est intéressant, hein? Mais vous connaissez qu'arrivé donc, hein? Nous normalement, ce qu'il nous fait, hein? Nous mangeons trois repas par jour, grand matin, midi, tantôt, pour nous les causes. Hein? Mais la parole de Dieu, peut-être deux fois par semaine. Un petit bien, un petit prédication. De poumon spirituellement. Donc là, mes frères et mes soeurs, Job dit non. Manger, boire, le secondaire. Parole sur la bouche, c'est ça qui nous guette, moi. Ah, bon. C'est la raison qui fait tout ce qu'il nous a dit, il a regagné deux fois. Regagne 10 enfants. Il vivent longtemps et rassasié des jours. Parce qu'il fait de la parole sur priorité. Il est signe, il donne valeur. Parole bon Dieu, puisqu'il se mange et boire. On va pas trop temps de là? Amen. Merci Seigneur. Mon pays de nous, la parole de Dieu, mes frères et mes soeurs. Alléluia, gloire à Dieu. Lire un autre verset avec moi. Combien il y en a encore comme ça? Pasteur, une quantité. Amen, amen. Vous voyez, me rappelle donc bien à mon oublié, mon pas encore contre Pasteur Genave, qui est le kiken là. Alors, nous t'ai invité pour le manger donc et bien côté de famille. Merci Jésus. Alléluia. Et ce qui t'est arrivé, papa, étant mon rentrée, tu as la table, pasteur, remplie de manger. Dans mon pensée, moi, nous pouvons manger un petit guide pour garder un peu pour. Il a mangé pour 3 jours et demi là. Non. Après 17 ans, 2 ans et demi. La table là propre, mon camarade. Amen. Alléluia. Quel appétit. Vous avez besoin d'un appétit comme ça pour la parole de Dieu. Ou pas qu'à satisfaire un réunion par semaine, un petit réunion par. Et puis, tout de suite, tu n'as pas oublié ce qu'il me dit dans l'église. Tu es pour moi spirituellement. Le diable pour gobe-toi. Hein? Il n'est pas pour payer à toi. L'apôtre Jean dit, jeune Jean, vous avez vaincu le matin, le malin, pardon, le diable, parce que la parole de Dieu demeure en vous. Amen, amen, amen. Le diable est impossible pour lui plus fort que toi. Tu n'as saisi avec toi. C'est la parole de Dieu qui manquait dans tous les guerres. Comment tu es causé, pasteur? Avec les apôtres, chapitre 19, je vais lire avec vous le verset 20. Alléluia. Merci Seigneur. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Dire avec moi, la parole de Dieu lui grandit. En puissance et en force. Vous pouvez lire en anglais maintenant, donc, eh bien. Il dit, so mightily grew the word of God and prevailed. Bon, content le mot prévaloir. Dire avec moi la parole de Dieu, il dit prévaloir. Regarde-moi maintenant donc, et bien merci Seigneur, alléluia. Une traduction, il dit, the word of God showing power by extraordinary deeds. C'est ça qui veut dire prévaloir. Produce great effects. La parole de Dieu lui produit un grand effet. La parole de Dieu lui domine, lui prévaloir. Il y en a le dessus, vous voyez. Vous pouvez poser une question, qui parole peut prévaloir dans la vie? Parole docteur, parole politique, parole les autres, ou bien la parole de Dieu? Si la parole de Dieu peut prévaloir, peut gagner la domination dans la vie, eh bien, gloire à Dieu, ou plus que vainqueur en toutes choses. Est-ce que je te l'aime là, mes frères, mes soeurs? À guette qui Jésus-Christ dit. Merci Seigneur. Guette qui Jésus-Christ dit. Et dire comme ça, si vous demeurez dans ma parole, vous serez réellement mes disciples. Ce n'est pas tout du monde qui me prend baptême qui est un disciple. Je suis un enfant de Dieu, mais je ne suis pas disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui recevra l'enseignement. Pour recevoir l'enseignement, il faut recevoir la parole là. Il est très important ça, vous voyez.
Jésus-Christ peint diamant à le bâtir du monde dans le monde, en fait des nations, des disciples, en les baptisant. Quand on finit baptiser, on obligé de faire des humains disciples, on obligé d'enseigner tout ce qu'il a enseigné. C'est ça qui fait nous venir disciples. Demeurez dans ma parole, et puis il dit comme ça, et puis donc, eh bien, vous serez réellement libres. Regarde qu'il dit, c'est que vous vivez où là? La parole qui vous connaît, vous connaissez. Comme on demeure dans cette parole, elle a mot pour connaître la vérité. Elle a mot pour connaître, vous êtes demeure là-dedans. Non pas vous écoutez et puis comme un rayon fini. À peine on arrive là aussi, mais là, on finit de l'initié qui passe à dire. Qui passe à une presse? Qui passe à une presse aujourd'hui? Hein? Il prêche la parole. Monsieur, il prêche la parole, mais qui l'a prêché? Hein? Qui filme tu sais hier? Ah, pardon, Catalan, putting, banane, actella, maudita, actella, pour qu'un coup de poing, ça lui tombe en bas, c'est que là-bas. Maudita, ça lui met un goal, ça va lui donner ça. Ça va lui donner ça. Tu imagines l'équipe football, goal, etc., acteur, actrice, puisque tu imagines la parole de Dieu. Aïe, pâté, c'est un homme, un trou, beaucoup m'a ouvert, nul, qui vous peut faire, nous, moi, tu fais ça pour te dire bien, fais-moi confiance. Ne pas mort travail, les Maurice, pas des soeurs. Mais au fond, partie, les Maurice. Mon envie, on réussit. Et moi, qu'on est donc, n'a pas un an, il faut faire réussir à porter cette parole. Dieu dira avec Josué, tu médites ma parole, tu vous réussis. Moi, je crois que Josué tellement médite la parole de Dieu qu'un jour, vous voyez, il peut combattre. Ça coule là, il peut viser à recombattre parce qu'il peut faire noir. Non, il dit, c'est la force pour arrêter le soleil, la ville. La parole de Dieu, c'est de se déclarer. Vous connaissez que la Bible dit à moi, aucun la ville pas trop grand pour lui, il concurrence tout seul dans la ville. La parole de Dieu. Clame-la mes frères et mes sœurs. Alléluia. C'est ça qui fait la différence. La parole de Dieu. Tout le monde dit gloire à Dieu. Je te connais donc, mon petit ami Laurent, du moins donc, eh bien, cette portion. Donc, donne-moi 10 minutes. Non, mon quoi, allez-vous 12 minutes là. Gloire à Dieu, merci Jésus. Alléluia. Je te rappelle qu'il a donc Jésus-Christ parti en cournée, l'étipouné. Dieu dit dans un ange, Gabriel, l'ange messager. L'ange soldat combattant, c'est donc, eh bien, c'est Michel. Gabriel, c'est l'annonciateur. Il y a l'annonce avec Zacharie, avec donc, qui lui vient papa Jean-Baptiste. Il y a l'annonce à Marie, donc, qui lui vient la maman du Seigneur, du Sauveur. Amen. Maintenant, on met maintenant place Marie. Vous voyez, il n'est pas facile. Surtout à l'époque, vous voyez, pour une jeune fille croire qu'il est une enceinte sans qu'il ne marie. Même aujourd'hui, sans qu'il ait une relation. C'est vrai, c'est pas vrai. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et je te connais donc, eh bien, qu'il en délit. Aucune parole de Dieu n'est pas pourrie sans effet. Qu'est-ce qu'il dit donc? Eh bien, en grec, il dit ça. Toute parole bon Dieu, il y a la force là-dedans pour les vibrer. Chaque parole que bon Dieu prononçait, dans cette parole, il y a la force pour sa parole-là vivre vraie. Amen. Il paraît que même semence, dans chaque semence, il y a un pouvoir pour sa lagrena vivre un pied. C'est différent, la parole de Dieu, il y a une semence incorruptible, mais il y a la graine qui a pourri, qui n'a pas pourri. Est-ce que je peux comprendre moi là? Amen. Je connais qui Marie dit qu'il me soit fait selon ta parole. Amen. Tu me dis ça, me croire là-dedans, et ça peut arriver moi. Alléluia. Mon malade, c'est vrai. Tu me dis ça, qu'il me soit fait selon ta parole, qu'il me porte mes tristesses, je suis guéri. Amen. Etc, etc, etc. Des trois temps après, Marie y a fait une visite à sa cousine Élisabeth, qui était déjà enceinte de Jean-Baptiste. Amen. Comment Élisabeth tend la voix de Marie, Jean-Baptiste tressaillait de joie de ce ventre. Mais qu'est-ce ce qu'Élisabeth dit? Heureuse, celle qui a cru à quelque chose qui lui fait tomber là. Heureuse, bénie soit celle qui a cru dans la parole qui lui a été annoncée. Quand quelqu'un bénit, quand on croit dans la parole qui vous tendez et qui vous croit là-dedans. Béni, 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 béni. Alléluia. Est-ce que vous l'aimez là, mes frères et mes sœurs? Pas lire la Bible juste pour dire, mon ami, la Bible, je vous dis, et puis oubliez, ou lire ou croire, ou lire ou croire, ou lire ou croire, ou lire ou croire. Je dis, mon Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, pas ouvert de la Bible, non pas ouvert, nous ne pouvons pas gagner le temps, mais il y a la parole de Dieu, il fait un grand travail dans tous ceux qui croient. Il n'est pas dit dans la vie n'importe qui, il y a ceux qui croient. In you who believe. Quand on croit dans cette parole, il est là, il fait un travail dans la vie.
Applaudis mon Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Que le nom de Dieu soit béni, 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 béni. Ça, c'était supposé mon introduction, mais donne-moi 5 minutes. Moi, pour terminer, un ban grand, quelque chose qui bon Dieu fait, qui nous devenir en Jésus-Christ, qui nous recevoir en Jésus-Christ. Vous voyez, qui nous devenir en Jésus. Ce matin, nous t'y trouvons. Que le nom de Dieu soit béni, nous devenons une nouvelle créature en Jésus-Christ. Amen. Totalement nouveau. Jamais fini d'exister une créature comme nous. Amen. Amen. Nous plus grands qui ban ange, ban archange, ban séraphin, ban chérubin. Au jeu de Dieu. Amen. Nous un fils de Dieu. Amen. Créé semblable à Dieu. Amen. Amen. La Bible dit nous que même un ange plonge de trigor. Vous voyez, je suis émerveillé quand je trouvais donc ce qui peut arriver dans nous la vie. Quand quelqu'un naît de nouveau, alléluia, il y a bal, festival, carnaval dans le ciel pour nous, banan. Parce que ça me trouve ça. Je suis émerveillé. Vous voyez, le fait qu'il nous ne comprend pas ça. Oui, mon divin chrétien, mon prend mon baptême et mon peut parler la langue de la papa papa papa, de la papa papa, de la papa papa papa. Vous voyez, ou pas réaliser qu'on vient un triomphateur ou un grand valet devant bon Dieu. Excusez-moi, mes frères et mes sœurs, ou assise à la droite de Dieu. Ou bien pense-leur-là, pense-leur-là, pense-leur, à un moment donné, ou pas pour non, 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 ou pas pour payer. Mais s'il y a quelque chose, donc, parce que mon besoin, il paraît simple, mais tu causes leur langue, tu guides hier, mon besoin termine leur-là, donc, Colossiens, chapitre 1er, verset 13. Et puis, donc, eh bien, nous vous laissons bon Dieu agir. Chapitre 1er, verset 13. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Tenez un coup, hein. Ok, mon visage de ligne. Mon visage. Non, on trouvait le verset. Le verset 13. Le verset 12. Rendez grâce au Père qui nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Oh mon Dieu, vous pouvez tenter pour cause là. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Dire avec moi dans le royaume de Jésus-Christ. Alléluia. Et en qui nous a enquis, dire avec moi en Jésus, nous avons la rédemption. Nous avons la rédemption. Maintenant, si vous comprenez ce verset-là, vous comprenez qu'il n'en est pas qu'à garder ou captif. Qu'il y a une cigarette, qu'il y a une liquide, qu'il y a une film, qu'il y a n'importe quoi que ce soit, ou internet, pas qu'à garder ou captif. Aucun cauchemar. Non. Parce que la rédemption, il sorti d'un mot qui veut dire ou un maître, ou un propriétaire, qui est mauvais, qui domine le haut. Vous voyez? Ou ce esclave, il n'est pas content où il est. Ah, mais il est bien où pour travailler pour lui. Et puis maintenant, il y a un quelqu'un qui est content où. Amen. Qui est disposé pour payer un prix. Amen. Pour où capable de venir pour lui et de vous traiter avec amour. Amen. Arrêtez fouette. Amen. Arrêtez maltraiter. Amen. Il est content où comme ses propres enfants. Amen. C'est ce qui finit arriver. Ça, c'est l'image de la rédemption. Et tu appartenir à Satan. Amen, amen, amen. Vous voyez, les qui maltraitent nous, nous qui sommes esclaves, nous qui dans les ténèbres. Jésus-Christ qui compte en nous, finit rachète nous. Dire avec moi, racheter. Vous voyez donc, eh bien, le pasteur Romain s'est donné une jolie image. Alors là, donc, comment maintenant nous appartenir double fois à Dieu. Amen. Donc, on a une autre version, mais mêmes affaires, qui veut dire mêmes affaires. Nous qui appartenir à Dieu. Amen. Satan, Adam finit va nous à Satan. Amen. Dieu nous a besoin de payer pour lui gagner ce qui t'appartenait à lui-même. Vous voyez? Ou en même temps, on est de nouveau, ou en même temps, on finit adopté. Amen. Ou un enfant de la famille. Amen. Et légalement aussi, maintenant, ou un enfant de Dieu. Amen. Personne n'a qu'à contester le fait qu'il est un vrai enfant de Dieu. Amen. Ou un héritier. Je te l'aime là, mes frères et mes soeurs. Dire avec moi, non, nier. Absolument, non, nier. N'a pas capable. Garde-moi. Captif. Jésus-Christ. Il rachète-moi. Amen. Vous voyez, n'importe quoi tu arrives aux familles, pas supposé continuer chez vous. Pas de mauvais quelque chose, n'est-ce pas vrai? C'est qu'arrive du monde, pas supposé arriver. Amen. Vous venez de délivrer de ténèbres. Vous ne faites pas vous dans le même langage que du monde. Vous voyez? Ou dans le bureau, ah, il y a un monde qui est en train de dire, ah, il y a un qui pour faire d'eau. Non, pas cause comme ça.
Amen. Veillez-vous ce qui te dit, c'est vrai, c'est pas vrai. Amen. Hein? Est-ce que c'est là, mes frères, mes soeurs? Amen. Au cas il y a des gloires à Dieu, moi, mon connais, bon Dieu, pouvoir à tout, on a besoin. Et t'as au cours comme ça, pour comment se poser des questions? Comment tu causes comme ça toi? Mais si tu te les causes comme à moi, acceptez ça, j'ai dit que m'en accepté là. Mais si je trouve vous plaignez comme à autres, tracassé comme à autres, stressé comme à autres, qui témoignage tu peux donner car? Je t'aime là mes frères, mes soeurs? Dis avec moi mon finette racheté. Alléluia. Mets tout debout maintenant donc. Au bout de moi, nous répétons la prière, après quoi nous pouvons faire une autre petite chose. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Je veux dire, Seigneur mon Dieu, mon fils recevoir Jésus-Christ par la foi. Maintenant, par la foi. Mon mort avec Jésus. Mon marche comme Jésus-Christ. Mon marche par Jésus-Christ. Mon régler mon la vie. Mon conduire à moi-même. Comme Jésus-Christ. L'itifère. Quand l'itifère sur la terre. Seigneur mon Dieu. Mon donne une première importance. Ce qui te dit de ta parole. Pour moi. Un seul quelque chose. Nécessaire. Tu ne finis qu'aux hommes, moi. Pour mon guérison. Pour mon délivrance. Pour mon prospérité. Alléluia. Mon gloire. Et mon appareil. Dans condamnation. Mais mon être délivré. Parce qu'il me croit. Te continuellement. Fais un miracle. Dans mon avis. Pour moi. Et à travers de moi, parce que moi continuellement écoute tes paroles et me crois dans tes paroles, me considère tes paroles beaucoup plus important qui manger qui m'a besoin. Tes paroles les peut prévaloir dans mon avis, me reste dans tes paroles, me vine tes disciples, me connais la vérité. Mon réellement libre. Moi qui ken béni. Parce qu'il me croit. Dans la parole de Dieu. Qui m'entendait. La parole de Dieu. Faire un grand travail. Au-dedans de moi. Parce qu'il me croit. N'a peine. Aucun esclavage. Aucune captivité. Qui capable. Riche dans mon avis. Parce qu'il m'a la rédemption. Moi, la rédemption en Jésus-Christ. Amen. Maintenant, donc, je t'écoute, moi, bien, mes frères, mes soeurs. Gloire à Dieu. Te dis-moi, dis à cause des pasteurs. Gloire à Dieu, merci, Jésus. Alléluia, merci, Seigneur. Si on a connu, donc, ou l'écho, ou respirer, Amen. Ou manger, ou boire, Amen. Ou sentir. Amen. C'est vrai, c'est pas vrai. Amen. Est-ce que vous connaissez spirituellement aussi? Ou bien manger. Amen. Spirituellement donc, et bien, ou capable ressentir présence de bon Dieu. Amen. Votre temps de Amen. Spirituellement, capable de boire dans la présence de Dieu. Amen. C'est ce que la Bible dit, non. Un Corinthien, ça peut dire comme ça, je te bois d'un rocher, que tu peux suivre, je ce rocher était Christ. Dis avec moi, mon boire. Encore un coup. Alléluia. Mets tout l'âme là. La Bible dit comme ça, de votre sein, dans l'esprit, il y a une grande la rivière de l'eau vive. Grand la rivière la paix. Grand la rivière la joie. Grand la rivière consolation. Mais obligé qu'on débouche les. Obligé qu'on libère les. Est-ce que je vais l'amener, mes frères et mes soeurs? Dire avec moi, mon amour l'esprit. Mon amour les corps. Maintenant, obligé. Les temps où on vit, bon Dieu manifesté, au besoin d'un et walim l'autre. Au besoin d'oublier où les corps.
Comment faire ça par une âme? Ou pas penser si par où dans le bâtiment, si pas donc et eh bien partir Cyril Péguito, ou pas penser qu'il y a été, ou faire où l'esprit contacter bon Dieu. Mais là, ça a la joie, ça a la paix, ça a la force, ça a du débordé l'air là. Et ce qui arrive, c'est que vous ne pouvez pas contenir ça. À cause de vous tomber, ou riez, ou danser, ou pleurer sous vous là-bas, c'est une bonne expérience. Qui s'en a. Avant que tu connais Christ, ou tu désactes ta plus affaire ou rentre en bas la table. Les blâmes, mon bébé. Qui juste passe les énards. Tout bâti normal, non? Ah, mais vous l'aimez, papa. Qui s'en a connu, divin bon Dieu, il est beaucoup plus bon. Hein? Frère Sylvain, venez ici, frère. Venez, frère. Vous bien content, donc, montre-toi là. Sa frère là, qui est dans le problème finance, travaille pas, tu morses. C'est vrai, c'est pas vrai. Amen, amen. Mon père, tu connais Spagnol Rodrigue. Et là, mon a réalisé Rodrigue aussi dans la barbe. Amen, amen, gloire à Dieu. Merci Jésus. Vous voyez, nous sommes dans la réunion pasteur où est-ce là-bas? Tu te rappelles ça, pasteur? Il est tombé pendant 45 minutes, il riait. Il trouve un démon qui te lit. Alléluia. Dieu bénit ce travail. Il y a un joli 4x4 blanc. Il y a ces 1 million de roupies outils. Dieu bénit lui. Là, il peut terminer avec nous l'église. Et nous travaillons peut-être toi là. L'église Goodlands. Nous pouvons faire lui une des fois plus grand. Et toi-même pour faire ça. Tu l'aimes là, mon frère? Ça, c'est un parmi une dizaine de miracles qui m'ont trouvé. Comment Dieu saisit vous et vous remplit du Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Que le nom de Dieu soit béni, 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 béni. Clarel, zéro distraction, frère, zéro distraction. Merci Jésus. La chakabra da gadeleida. Frère Jean, pas croise les bras, frère. Bon Dieu, pour tous toi là. Viens. Merci Jésus. Alléluia. Montez papa, katabrada gadidigidigida. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Merci Jésus. Comment y a frère Jean? Ton coup bassiste, j'ai la guitare basse. Allez. Tenez plus, j'ai la guitare basse. Hein? L'accompagnement. Allez, accompagnez-moi, guetté d'eau. Amen, amen. Allez, mon guetté. Allez, accompagnez. Alléluia, lâche cadavre à la. Dis avec moi, nous tous, mon Dieu. Nous tous, mon Dieu. Nous tous, le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Tous le Saint-Esprit, tous le Saint-Esprit, tous le Saint-Esprit, va entrer dans le la chakabra da ka, chakabra da ka, chataka.
demande maintenant tout ban zinzan dans la salle qui a envie que nous prions pour eux. Pas venir parce qu'il nous dit oublié. Vive fort divan. Zinzan, ban zinzan. Même on a 12 ans, 13 ans, jusqu'à 35, 40 ans, ou soit bon Dieu, ou vive fort divan. Ban zinzan, vive fort divan, s'il vous plaît. Ban zinzan, vive fort divan. Merci Seigneur. Je t'ai pardonné. Tu as une fille aussi. J'aime pas les gars, j'aime pas des filles. Tout ce qui gêne, papa, tout ce qui gêne. J'aime pas des filles. Maman, je suis en train de me faire. Pardon, pro, les gars, t'as pas d'agata. Fais-le là-haut. Non, ne vous attache pas là-bas, frère. Coste par du vent, Ban Zinzan. Amenez là où c'est là. Tu as une Zinzan, toi. Mets ça pour lui là-bas. Amen. Prends ça, c'est là, mon lit là-haut. Ah bon, ça c'est là, là-haut. Mais c'est que des bénédictions. Ok. Merci Jésus. Amen. Merci Jésus. La socopro de Dieu. Alléluia. Amenez par là, amenez par là, amenez par là. Amenez par là. Par là, papa, par là. Et merci, Jean, Bacaré. Il est capable de tomber ça sur le là-bas. Pas de distraction. Demande une minute. Banzanzan, je t'écoute-moi là. Je écoute-moi. L'étant donc, moi, vous priez. Non, le petit bébé là, le visage reste dans la main de quelqu'un là. Le petit bébé qui doit la main modifiée. Mais donne-le, fallait pas, donne le qui ken qui pas dans la foule. Gloire à Dieu. Écoute-moi là. Les membres, les temps nous pour prier pour vous. Dis avec moi, dix fées. Encore un coup. Si on a donné dix fées, fait au gain salaire. Un bon salaire. Dix fées éclairées. Dix fées de nous la force. Amen. Lève-vous la main donc, lève-vous la main là-haut, lève-vous la main là. Recevoir le feu. Recevoir du feu.
fait ça. Moralement, beaucoup avant que je ne puisse venir. Si vous êtes réveillé dans le ministère, on va vous permettre de nous dire saisissez-nous, touchez-nous, enlivrez-nous, votre peintre. Amen. 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 Le jour de la pensée. L'idée de bien un mot qui passe, qui m'occupait, m'occupant de 5 ans, ou faire visite, ou faire salut, ou faire l'église des enfants, ou pasteur, ou assistant pasteur. Tu vas me dire, petit comment Amen. Amen. Le Juda Franco, qui est ma 120 livres, je t'ai trop diffé, je t'ai pas un divan. Viens avec moi, diffé et divan. Encore un coup. C'est du long chemin qui coule.